Je ne veux pas rentrer. Doucement, Rocco, doucement. Ça marchait mieux à la répétition, j'étais dessus. Je n'ai besoin de personne. Oui. Je ne reconnais plus personne. Doucement, Rocco, doucement. Oh là là, il est nerveux, c'est un étalon. Il a le sang chaud, tout comme les Italiens. Ça va être sympa en direct. Je vais le faire à côté, tiens. Ah, ça marchait mieux à Compiègne. Alors, et puis il est pas du tout rassuré, faut le comprendre. Sa mère a fini en saucisson. Ah, mais il a plus du tout confiance en l'espèce humaine, hein, tout comme moi. Je me méfie tout particulièrement des étrangers. Je les trouve sournois. Ils n'ont pas la même odeur que nous. Vous m'avez forcément reconnue, c'est moi, la grande Francine Facho. Mais si, c'est moi qui chantais sur la plage abandonnée. On est mieux sans immigrés. Je ferai tout pour expulser les sans-papiers. Si avec Rocco on est sorti de la madraque, c'est pour pousser un grand coup de gueule. La condition animale est de plus en plus alarmante. Oui, c'est vrai. Rocco me rappelle qu'il faut absolument changer l'appellation de poney pour cheval de petite taille. Leur différence est d'origine génétique. Stop à la discrimination, hein? Oui, je discute avec lui. J'ai un rapport très privilégié avec les bêtes. Il me murmure parfois à l'oreille et je leur sers d'interprète pour cracher à la gueule de l'humanité. Heureusement que je suis là pour les protéger, mes petits chéris, mes pauvres amours. Entre les Canadiens qui massacrent les phoques, les espingouins qui charcutent les taureaux et les Japonais qui tuent les baleines pour maquiller des tons. À la SPA, on ne sait plus où donner de la tête, hein. Pour lutter contre le génocide animal, je ne vois qu'une seule solution. Castrer tous les hommes. Oui. Vous savez que pour fabriquer les aphrodisiaques en Asie, ils tuent les éléphants, les rhinocéros, les caniches à poils longs. Saloperie de chinois. Déjà qu'ils en ont une petite, en plus ils sont même pas foutus de bander correctement. J'espère qu'on n'est pas en train de vendre des trucs aux Chinois en ce moment. Comment? Oui, t'as raison, Rocco, faut que je fasse un petit peu plus attention à ce que je dis à la télé. Je vais encore passer au zapping en boucle cette année. Oui? Ah bon, comme tu voudras. Rocco a un message à vous faire passer directement. Pitié, libérez-moi. C'est vrai qu'il faut défendre la cause animale. Et c'est vrai qu'elle aime vraiment beaucoup les bêtes. Mais elle est devenue complètement ma poule, la vieille. Encore hier, elle m'a obligée à lui brouter le... Ah non, hein? Méfie-toi, Rocco, hein? Parce qu'avec cette couleur toute noire à ta plage, fais attention, je suis pas sûre d'avoir des papiers complètement en règle, hein? Rappelle-toi de mon ancien compagnon, le pur sang arabe. Il faisait moins son malin dans l'avion retour. Au revoir. Je ne reconnais plus personne. Constance! Constance et son poney! Bon, on était en direct, elle pouvait pas recommencer son entrée, elle l'a un peu foirée parce qu'évidemment, c'est pas facile de faire une émission en direct avec des animaux. Mais bravo Constance, vous avez relevé le défi. On vous applaudit encore, franchement, bravo. Les téléspectateurs ont à peine 35 secondes encore pour vous attribuer une note. Jean-Catherine, Jean-Luc et moi, on fait la même chose. Attention, c'est parti. C'était dur quand même, non? Ben, en fait, on a beau caler des choses avec les animaux, il y a toujours des imprévus, mais c'est hyper mignon en même temps, je trouve. C'est unique, voilà. Alors, vous voulez vraiment qu'on vous offre ce poney? Ah oui, j'aimerais trop. Qu'est-ce qu'elle va en faire? C'est quoi, là? Ben, je vais le mettre dans le jardin chez mes parents. Ah,
C'est Catherine Barma qui, on est bien d'accord, doit offrir le poney. C'est oui, ça. Oui, ah oui, ah si, oui. Elle a, si elle a la meilleure note. Si elle a la meilleure note ce soir du public. Bien sûr. Il faut quand même qu'il y ait un enjeu. Elle vient de lui mettre 4, je te signale. Ah, voici, en tout cas, on n'appelle plus pour Constance. Les prochains, le prochain pour qui vous pourrez téléphoner ou envoyer un SMS, c'est Olivier de Benoît. Mais tout d'abord, voici les notes du jury. Jean-Luc Moreau, Constance vous donne 20 sur 20. Catherine Barma, 17 sur 20. Jean Benguigui, 18 sur 20. Oui, moi aussi, on est dans ces eaux-là comme Catherine, je vous ai mis 17 sur 20. Très vite, hein. 20, pourquoi 20 quand même? Pourquoi? Ben parce que d'abord c'est très gonflé, c'était très poétique, c'était très insolent, c'était, elle est ravissante, elle était absolument ravissante dans ce sketch. Enfin, quoi Jean? Elle est ravissante. Elle est pas mal, j'ai pas trouvé mal, que c'était j'ai trouvé que c'était parfait, que c'était sexy en diable et bravo. Catherine Barma, un mot. Elle a réussi le défi. Elle était très incisive, très provocatrice et en même temps terriblement classe. Donc c'est ce qu'on aime. Jean Benguigui. Drôle, intelligente, gonflée et élégante. Parfait, tout est dit. Pour connaître les coulisses, les secrets, tout ce qui se passe et que vous ne voyez pas sur France 2, eh bien, abonnez-vous et cliquez ici.